Salut à tous les gens, c'est ThePlayX3 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Let's Play The Kings of Hardcore avec le haut chef Viseslav de la Croatie. Et aujourd'hui nous poursuivons notre objectif d'atteindre l'Inde. Mais avant nous faisons aussi un peu de dictature, nous confisquons les comtés, nous voulons avoir que des vassaux de baronnie, en tout cas de niveau baron, comme ça ça nous fera plus de troupes directes. Oui, on va mettre fin à cette dispute. Nous allons les flatter. Puis nous allons apaiser leur colère. Ok. Et là maintenant, est-ce que je les menace? Ou est-ce que je dénonce leur comportement? On va dénoncer leur comportement. Ah! Sortons d'ici tels que les adultes que nous sommes. Que répondez-vous? Et les paysans sont debout à l'unisson. C'est silencieux. Et on a gagné. Ils nous applaudissent. Les paysans nous applaudissent. Et les deux familles se font des câlins. Ouais, 2 points de diplomatie. C'est super. Non, je vais continuer à aider la famille. La famille. Ou alors la chasse. Ouais, la chasse. Viseslav est né. Ok. Mon héritier Barna est ambitieux. C'est bien comme trait ça. Du moment que c'est mon héritier, ça va. Fais-le chanter. Fais du chantage. Ah, est-ce qu'il se rend? Oui, Boudimir est né. Oui, il se rend. Donc maintenant, il est pas en prison? Ah, si. Bien. Excellent. Tu es mon demi-frère. Tu vas aller en maison d'arrêt. En plus, il a 8 ans. Ce serait cruel de le laisser en prison à 8 ans alors que c'est mon frère, mon demi-frère. Pillage. Voilà, maintenant on peut reprendre le pillage. Les bateaux sont prêts. Le chantier naval est en cours de construction. Voilà, il est terminé. Donc on devrait commencer à obtenir des navires. Ouais, on en a déjà un. Il va falloir patienter pour en avoir d'autres, mais entre temps on peut continuer à piller par ici. J'espère qu'on aura... Par contre, on n'aura pas assez de navires pour tout le monde. Ça, c'est assez problématique. Le reste des points, je compte les économiser pour quand on bougera la capitale. On va l'accepter. Et on va l'appeler chasseur. On a capturé des prisonnières. Voilà. Cunigunde est enceinte, ok. C'est ma concubine bavaroise. Et pendant ce temps-là, les sièges se poursuivent. Le pillage. Bon chien. Religion, franchement, la religion slave, c'est pas ce qui m'intéresse le plus.
Ce que je pourrais faire, c'est... Ouais, mais... Je devrais améliorer les technologies militaires ici pour propager la construction de navires ici. Ça pourrait être utile. C'est absurde. Tout à fait absurde. Scandaleux même. Au maximum, on peut en avoir 1129, pas mal. J'ai dit qu'on économiserait, donc on va enlever ça pour le moment. Ah, chouette, quelqu'un m'a laissé un commentaire. Alors, hop, excusez-moi, je viens de recevoir un commentaire pour le premier épisode de cette série. Pendant que le siège se poursuit, je vais le lire. De Licky Lemon. Il y a 35 secondes, 700 ans ne te seront pas de trop pour réussir tout ça. Bah, merci pour ton commentaire, Licky Lemon. J'ai vu tes vidéos sur ta chaîne, elles sont vachement... Je trouve que ta série est intéressante. Je crois avoir d'ailleurs déjà laissé des commentaires dessus. Eh bien, je vois que tu renvoies l'appareil. Bon, c'était pas trop nécessaire, mais je suis content que tu sois sur la chaîne. Bienvenue. Ok, cet homme-là est mort. On assiège Kenton. Attendez, je lui ai renvoyé un commentaire. Je vais lui répondre. Ah, souris. Tu es filmé. Point d'exclamation XD. Zvonimira et Maria ont été capturés, ainsi qu'Emilia. Oh, elle a 3 ans. Oh, merde. Okay, oh là, et elle, c'est une nourrisson. Ouais, tous les enfants là. Jadwiga, tu as quel âge? 2 ans. Je ne veux pas que leur santé soit menacée. Le siège de Osiach. Donc c'est ça, hein. Ouais. Donc il y a ces types-là apparemment qui m'aident à l'assiéger, c'est sympa. Et si je t'envoyais aux oubliettes pour ton insolence? Aux oubliettes. Ok, super. Allons piller Zagreb. Ah, pas assez d'hommes. Ce n'est pas grave. Combien d'hommes avons-nous? Largement assez. Très bien. Il y en a combien? Shipbuilding, toujours 0,2. Je pense que pour le moment, il faudra se contenter de ça. Hein. Je suppose qu'on n'est pas 6 navires, ouais. Donc, continuons les pillages terrestres. On a plus de troupes loin d'ici, donc ça serait plus avantageux de le mettre là. Et il faut aussi considérer le ratio infanterie légère, infanterie lourde, vu que ça a un malus. Ah non, ça n'en a pas. Ok, bon bah dans ce cas-là, mon gars, tu vas aller ici. Non, c'est le fait de c'est l'inverse, c'est le bonus des troupes légères qui a un malus sur les troupes lourdes. Pour une raison qui m'échappe. Faut pas chercher. Ok, ils ont approuvé la loi de la taxe, de la grande taxe féodale. Il n'est pas prêt.
aux oubliettes. Elle est adulte, elle a choisi de se plaindre, et bien elle a ce qu'elle mérite. C'est aussi simple que ça. Apparemment, un clan de Kazari a formé son propre Kagana. Enfin, je pense que c'est ce qui s'est passé, vu qu'ils sont eux aussi Khazar. Ouais, c'est fort probable. Igor et Branimir ont été capturés, et Tomislav. Voilà, c'est des gosses, hein. Faut pas l'oublier. Oh. Ah oui. Est-ce que j'ai de l'empathie? Oui. Est-ce que j'essaie de... Oh, Alemania. Tu es tributaire d'un duché vassal de la France. Ah ouais, puissant. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Je félicite. Bravo. Félicitations à la Bavière. Tributaire d'un vassal d'un royaume. Non, il faut le faire. Oh. Il faut le faire. Bien, allons assiéger ces abrutis ici. Ah. La fin des avares. Ok. La Pannonie maintenant. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Victoire. Zvonimira. Est-ce qu'on a un membre de la famille qui est... qui est Nestorien? Il me semble que j'avais fait éduquer quelqu'un pour qu'il... Ah bah voilà, c'est elle. Lucia, elle est Nestorienne. Elle est devenue Nestorienne, très bien. Et elle n'a pas adopté leur culture, vu qu'il est... paresseux. Excellent. Très bien. Je la marierai matrilinéairement et je ferai en sorte que ses descendants et elle éduquent d'autres descendants, histoire que l'on garde une certaine... comment dire... un backup de la religion nestorienne. Voilà. Voilà le terme approprié, un backup. Très bien. Tout est pillé. Allez, piller ici. J'espère vraiment que les Oumayades vont se faire écraser. 3000 hommes. Oh, sérieusement? Contre le Pratyahara. Ah, ils sont aussi... Je sais pas pourquoi ils perdent face à Pratyahara, mais j'aime bien les voir faibles, c'est bien. C'est même excellent. Ce qu'il nous faudra aussi évidemment, c'est économiser pour... Ah voilà, Lucia est devenue une théologienne. Elle ne m'aime pas évidemment, vu que... On n'est pas de la même religion, mais c'est ce qu'il faut faire. Mariage matrilinéaire entre elle et lui.
Voilà. Et Budimir, tu seras éduqué par elle. Voilà, très bien. Et aussi, je garderai une trace de Lucia. Je la mettrai en intérêt spécial. Et ma concubine Elisabeth est enceinte. Plus de gosses. On forge notre dynastie. Ok, allons piller l'Istrie. Très bien. Il est en paix, donc il... Ah non, il est en guerre face... bah, la Bavière, non? Ouais, face à la Bavière. Ça veut dire qu'il est aussi en guerre face à l'Allemagne, non? Non. Ok. Ok, donc là, on est à deux navires. D'accord. Combien de troupes à la Lombardie? 2220. Bessard est né. D'accord. Bienvenue au monde, Bessard. Oh merde, j'ai pas vu. Merde, merde, merde. J'ai même pas fait gaffe. Repliez-vous. Ça va, les pertes sont pas si graves. Oups. C'est ce qui arrive quand on est distrait. Peut-être qu'on peut piller ici. Oui, on peut. Oh, mais... Ta mère, mêle-toi de tes affaires. Bon, on va arrêter là le pillage. Désolé pour le pour le ta mère qui est parti assez vigoureusement, n'est-ce pas? C'est... Ça sort. Alors, comment ça se prononce, ça? Je pense que ça se prononce Thrandre. Quoi qu'il en soit, c'est un drôle de nom. Pam 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 pam. On a besoin de diplomates plus intelligents que ça. Elle peut... Non, elle peut pas venir, elle est mariée à ce type. Ah, lui, il a une revendication. Invité, non. Ah, lui, il a des revendications, mais... Ah, il est titré. Allez, je vais reprendre depuis le début. Ok. 25, non. Elle peut pas, c'est vrai. Elle peut peut-être. Non? Ah, mais de toute façon, il me faut des hommes. Et là, je tombe déjà en dessous de 15. Mince. Groupe religieux, alors. Ça sera peut-être mieux. Je cherche... Ah, lui peut-être. Non? Ah, presque. Très bien. Excellent. Waouh, il est devenu une éminence grise sans être éduqué. Voilà qui est admirable.
Es-tu sérieux là? Tu as dit oui. Il y avait écrit oui. Putain. À chaque fois, ça m'énerve. Je sais pas ce qui se passe depuis le dernier patch, mais il y a. Les indications sont foireuses. Toi, tu veux venir? Non, il voudra jamais. Allez. Toi, tu le détestes. Mais tu es un gosse. Là, on est à 15 piles. Bon, bah tant pis, hein. Apparemment, je ne pourrais pas en avoir un. Ah, mais attendez. Moins 5, ça devrait pas suffire, mais bon, on va quand même le libérer. Ouais, 12, ça suffira pas. Mais on peut toujours le faire éduquer pour qu'il devienne une éminence grise. Toi, je veux que tu éduques. C'est qui, Slavish? Non. Le voilà. Ok. Bien. On est toujours pas au maximum. Mais on peut retourner faire du pillage. Donc allons-y. Super. Toi, tu te mets là, toi là, et moi là. C'est parti. Au pillage. J'ai vraiment hâte. D'atteindre Sinaï. Oh, il y a une révolte! Il y a une révolte chez les Abbassides! Bien! 8000 hommes! Ouh! Contre 7000. Il y a une chance! Ligue d'indépendance! Ça, j'aime! Ça, j'aime! Ah, si seulement on pouvait l'assassiner! Et ce sera jamais possible! J'espère qu'ils vont gagner. Pendant ce temps-là, ce que j'aurais à faire, c'est. Non, on va continuer à fabriquer des revendications ici. Oh, quoique. Vu notre âge, c'est inutile. Et vu qu'on n'a pas de chancelier niveau 15 ou plus, cherchons le plus puissant de ses vassaux. C'est ce type-là. Ah oui. Ah oui, je vois. Ok. On va du coup. Ah, il est trop loin, t'es sérieux? Bon, bah tiens, lui. Il m'a l'air puissant, lui. Ouais. C'est peut-être le deuxième. Non, c'est le troisième. Bon. Waouh, il a tout de suite été attrapé, quoi. Super. Pourquoi ça a fait ça, je ne sais pas. Apparemment, lui, enfin, je sais pas, il trouve des gens, il trouve des rumeurs sur des gens, mais ça n'a aucune conséquence, qu'importe la décision que je prends. Donc, va donc étudier la technologie. Voilà. Et au niveau des navires ici, c'est. Ça en est où? 0,3, ouais, ça prend du temps. Hein. On attendra. On attendra.
En tout cas, tout gouverner nous-mêmes nous donne un sacré bonus. Soit. Qu'il trouve refuge chez eux si ça lui plaît. Apparemment ici c'est toujours pillé. Par contre ici ça ne l'est plus. Dans ce cas-là, allons-y. Et on pourra aussi aller piller ici. Ok, il y a la majorité de ses troupes ici, donc on devra les piller ici en premier. On le fera après. On va voir, on commence à avoir une belle somme d'argent. Ça nous sera utile dans nos futures guerres. Il faut qu'on planifie cette invasion du Sinaï. Oh merde. Il est tombé à 2700. Ah, fait chier. Ils vont foirer. Hein? Apparemment, c'est toujours en faveur du type d'Égypte, mais pas pour longtemps, j'ai bien peur. Lucia a été emprisonnée. Elle aussi, oh, une fille. Oh, elle a que 2 ans. Libérez-la. Elle mettait là en maison d'arrêt. Et voilà, très bien. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais que tu fasses en sorte que ce type-là déteste celui-là, pas que celui-là déteste celui-là. Voilà. Je suis clair, n'est-ce pas? Ok, ici c'est fini. Très bien. Aux oubliettes. En plus, elle est censée être vive, hein. Je trouve pas ça vif de me demander une meilleure cellule. Alors, toujours Fraticelli? Toujours Fraticelli. Son héritier aussi. Et la capitale est aussi Fraticelli. Oh merde. Ah, c'est chouette. Ah, c'est un vassal de la Bulgarie, merde. Ah, j'ai pas remarqué. Ah, c'est chouette. Ah non, mais c'est super. Bon, bah, on va arrêter de piller pendant un moment, hein. Ah, et les fiançailles sont prêtes. Allons-y alors. La vache, il y a pas mal de revendications en plus. Intéressant. Ce serait intéressant de d'installer un Kagana nestorien. Ce serait même très très intéressant. Je pourrais le faire dès maintenant d'ailleurs. On aura assez de troupes en plus. Non, ça vaut pas le coup. Franchement, vous trouvez que ça vaut le coup? Comment ça se passe niveau flotte? On est à 3. Ah non, 4.
Voyez quand je vous disais que l'interface est bizarre. Et au début il m'indiquait 3. Hein. Bref, nous arrivons à la limite. Oh merde. Je vais crever. Eh bien, superbe fin pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, c'était The Play X3 et on se reverra pour la suite de notre Let's Play CK2 Hardcore avec le haut chef Borna de Croatie. Salut à tous.